Je répète, la baleine est dans le pré. Ça devrait arriver, machine. La baleine est dans le pré. La baleine est dans le pré, répète. Alors c'est machine en direct du tapis rouge. Et normalement, il y a Angelina Jolie qui devrait sortir parce qu'elle a une conférence de presse pour son film. Donc voilà, on attend. Hein. Veniamo soprattutto perché siamo ovviamente incuriositi da quello che è il cinema in generale, perché è il nostro, diciamo, business nello specifico, e in particolare vogliamo, come dire, dare un'occhiata a quello che comunque ci aspetta e arriverà. Vogliamo in qualche modo, come dire, vedere in anticipo le tendenze. On est parfois un peu surpris de la distribution des films, c'est-à-dire qu'il y a des films qui se retrouvent en compétition, on se dit qu'ils seraient peut-être mieux servis s'ils étaient en panorama. Ou... Però al di là di quello, lo spirito forse che si respira a Berlino, per quello che abbiamo potuto vedere, è un po' più internazionale, un po' più, come dire, multinazionale. A Cannes c'è sicuramente una tendenza ad essere anche un po' più campanilisti e francesi. Et voilà, je pense que le film de Juliette Binoche, par exemple, aurait pu être dans la sélection officielle, on n'y est pas. Bon. On va essayer d'avoir une star là, je suis à l'affût. Ouais, c'est pas Cannes, hein. Grosse ferveur. Ah, c'est mon ex. Machine, question s'il vous plaît. Machine, s'il vous plaît. Machine, s'il vous plaît. Machine. Oh là là, elle a changé. J'adore Machin et Machine. C'est vraiment des amours. Bon, moi j'ai pas chômé. J'ai obtenu deux interviews avec Tony Gatliffe, qui vient projeter son film Indignados dans la section Panorama. C'est un film qui est la continuité de le livre de Stéphane Hessel qui s'appelle Indignez-vous. Et c'est après l'avoir lu en décembre 2010, j'ai eu un choc parce que c'est très important que quelqu'un nous parle aujourd'hui. Quelqu'un nous parle et nous dit, tiens, venez-vous. Et donc je l'ai lu tout de suite et puis j'ai eu envie de faire un film. Je commence le film, qu'est-ce qui se passe après? C'est comme si j'étais un chaman, parce que je ne savais pas moi ce qui allait se passer après. Mais j'ai senti un truc, je sentais quelque chose. Le cinéaste, c'est ça. Un cinéaste, c'est pas quelqu'un qui sait tout. Un cinéaste, c'est quelqu'un qui sent aussi. Donc j'ai commencé à faire des petites choses en Afrique du Nord. J'ai appris par un copain qu'il y avait un groupe en Espagne, des jeunes, qui étaient rassemblés sur la Puerta del Sol, et ce groupe-là se nommait Les Indignés. C'est ce que le livre de Stéphane Hessel a engendré. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'avais le film. J'ai décidé que c'est un film et non pas un documentaire, parce que tout le monde portait filmé avec des portables et tout ça, donc le documentaire a été fait déjà. Ça veut dire que à ce moment-là, c'était de dire, mais comment je vais faire le film? Avec quel point de vue? Moi, je me disais, non, je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas prendre la caméra et faire mon point de vue. Je veux que ça soit autre chose. Le point de vue, c'est quelqu'un d'autre. Une petite clandestine de 18 ans qui vient en Europe au moment où l'Europe est en train de se fissurer. C'est important. Indignados, il mérite d'être là, quoi. Le public allemand est génial. Il est formidable. Il comprend. C'est bien que ça soit ici, parce que ici, c'est le symbole de l'Europe. Je t'ai effacé là, non mais c'est quoi ça? Non, oh, c'est un petit con là.